Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tallback GP, un numéro consacré bien évidemment au débrief du Grand Prix d'Indonésie qui s'est tenu hier et avant-hier sur l'île de Lombok. Alors, pour débriefer bien ce Grand Prix indonésien, je retrouve avec plaisir Michel Turcot. Bonsoir Michel. Salut Eric, salut tout le monde. Oh, un environnement radieux pour toi Michel, j'imagine que tu es en transit, c'est ça, entre l'Indonésie et le Japon? Bah, toujours en Indonésie, je suis à l'aéroport de Jakarta, après un vol venu de Lombok, et puis ensuite ça sera Tokyo dans pas très longtemps. Voilà, c'est entre deux, toujours un peu entre deux avions, Eric. C'est ça la vie de grand reporter. Eh oui, bon, enfin, on va faire vite pour être sûr que tu puisses accrocher ton avion. Ouais. Et contrairement aux commentaires qu'on a pu découvrir tout au long du débrief du précédent Grand Prix, non, Thomas n'était pas resté coincé dans l'avion avec une hôtesse de l'air. Il était bien en voyage et d'ailleurs, on le retrouve ce soir. Il est aussi à l'aéroport de Jakarta. Salut Thomas. Salut Eric, salut Michel. Eh oui, je suis bien là. Et... Michel. Hein. Non, t'es à côté de Michel, c'est ça ? Voilà. Allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en plantant un petit peu le décor, si tu es d'accord, Michel, parce que ce Grand Prix d'Indonésie, bah, c'est le premier hein, qui ouvre cette tournée des Grands Prix Outre-mer et c'est toujours un Grand Prix un peu particulier. Hein. Ça fait trois fois qu'on revient sur ce circuit de Mandalika. Tiens, j'en profite pour rappeler que grâce à notre partenaire Longlap, hein, vous pouvez gagner ce tracé du circuit de Mandalika en commentant, vous serez tiré au sort. Et donc, je le disais, un Grand Prix un peu particulier qui donne le coup d'envoi de la tournée Outre-mer avec des conditions toujours particulières en Indonésie, Michel. Ah oui, Eric, il fait chaud ici, évidemment. En plus, ce circuit, il est donc sur l'île de Lombok, on l'a dit. Il est au bord de l'océan dans un environnement assez poussiéreux, on va dire. La semaine dernière, on disait qu'il allait peut-être pleuvoir. Bon, il n'a pas plu. Il a même fait très sec. Et ça fait très longtemps qu'il n'a pas plu à Lombok. Donc, on avait beaucoup de poussière. Donc, un circuit qui, malgré tout, était plutôt propre par rapport aux conditions. Hein. Tous les pilotes ont souligné. On a connu des situations beaucoup plus critiques, notamment à Aragon il n'y a pas très longtemps. Donc, circuit qui était pas trop mal, mais bon, même pas trop mal, très chaud, une piste avec quand même de la poussière dessus, donc mono trajectoire qu'il faut nettoyer sur les premières séances d'essai. C'est un circuit aussi, bah, tu nous l'as montré, hein, parce que tu le tenais à la main, Eric, c'est un circuit avec des virages assez rapides qui met les pneus en contrainte. Et donc, tout ça avec la température fait que Michelin avait pour ce Grand Prix une allocation pneumatique particulière avec des constructions, des gommes dures, des constructions plus rigides, notamment à l'arrière. On utilisait, enfin, moi je ne l'ai pas utilisé, mais les pilotes utilisaient un pneu qui est dans la construction utilisé sur trois circuits, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'Autriche, la Thaïlande et ici. Circuit un peu similaire hein, avec beaucoup de contraintes à l'accélération. Voilà, ça, ce pneu-là, il induit quand on met la gomme Magnum qui a été utilisée le dimanche de prendre un peu de temps pour le mettre en chauffe. Et il induit aussi un pneu qui avec sur la gomme soft qui a beaucoup de grip. Qui pousse un peu l'avant, qui lui est un peu en difficulté. Donc c'est vrai que il y avait un équilibre réglage moto pneu qui était un peu difficile. On a eu d'ailleurs pas mal de chutes ce week-end. Voilà, je pense que le décor est planté, mon cher Eric. Très bien, merci mon cher Michel. On va claquer des bretelles du coup avec cette explication parfaite. Tu le disais, je crois qu'elle va rester celle-là, Michel. On est au point là-dessus. Beaucoup de chutes. Thomas, je reviens vers toi. Est-ce que c'est l'un des grands prix où on a le plus chuté jusqu'à présent? Je sais que c'est des statistiques qu'on n'aime pas trop consulter et trop tenir, mais il y a eu quand même pas mal de chutes. T'as un chiffre éventuellement à nous donner? Je te prends un petit peu au dépourvu, Thomas, mais dans l'idée, c'est quoi? C'est un grand prix standard ou c'est un peu plus élevé que la moyenne au niveau des chutes? Moi, écoute, on est à trois grands prix, enfin, on a deux grands prix, mais on a eu un peu plus cette année. Hein. Sur le sec, c'était Misano et. Le circuit de Jerez, où on a eu 77 chutes et 74 chutes respectivement. Là, à Lombok, on en a eu 67. Donc, on reste dans la moyenne, on va dire, classique. En moyenne, on a à peu près 50 chutes par week-end. Ouais, donc une moyenne un tout petit peu plus élevée qu'à l'habitude, on va dire. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. C'est pas si, on va dire, si dramatique que ça. C'est pas si exceptionnel. C'est des chutes. Oui, Michel. C'est des chutes.
Ce sont les chutes toutes catégories confondues, ça, j'imagine, Thomas. Oui. C'est intéressant de voir si la catégorie MotoGP est plus impactée ici qu'ailleurs. Mais bon, on va te laisser le temps de regarder ça. Ouais, il va avoir le temps Alors là, ils sont entre dessus. Jakarta et Tokyo, comme ça il nous fera le débrief mardi prochain. Tiens, d'ailleurs, notez-le bien, hein, ça sera mardi prochain le débrief du Grand Prix du Japon pour Tallback GP. Bon, on va rester sur ce qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire le Grand Prix d'Indonésie. Et justement, ces chutes vont nous amener directement, j'allais dire, à nos deux protagonistes. Alors, je sais plus ce qu'on doit dire entre Jorge Martin et Francesco Bagnaia, parce que c'est un coup l'un, c'est un coup l'autre. Et ces chutes, eh bien, en Indonésie, c'est Jorge Martin qui est parti à la faute en course sprint, alors qu'encore une fois, il avait l'air d'être parti pour dominer cette course. Et puis finalement, il a chuté. C'est lié à tout ce que tu viens de nous expliquer par rapport aux conditions de piste, par rapport à l'état de la piste au niveau propreté et à ces nouveaux pneus Michelin, notamment je dirais l'accord qu'il fallait trouver entre le soft à l'arrière et le médium ou le hard à l'avant. C'est un peu ça, Michel, qui explique cette chute de Martin? Oui, peut-être. Enfin, lui, là, il a eu du mal à expliquer, mais en fait, il est tombé dans l'avant-dernier virage, qui était le plus périlleux de la vie de tous les pilotes, vraiment très limite, ouais, pour des raisons que personne ne s'est expliqué. Enfin, en tout cas, le revêtement était plus délicat sur cette partie, et c'est ce qui fait qu'il y a eu cette chute-là. Thomas me déconcentre. Non, non, il a des invités, Thomas. Tu sais, c'est une vedette, Thomas. Dans le Land Air France, il a quand même Monsieur Rivoire, c'est ça, non? Voilà, c'est C'est ça, ça, Monsieur monsieur Rivard. Rivoire, qui fait le Racing Service de Choy. Vous voyez, on vous ment pas. On est vraiment dans les conditions du direct et on est vraiment entre deux avions. Et on remercie, tiens d'ailleurs, Monsieur Rivoire du Racing Service de Choy et puis Pascal Couturier qui nous a permis d'agrémenter le studio avec notamment des casques réplicas de la famille Marquez. Mais revenons à notre sujet. Revenons à Monsieur Jorge Martin, Michel, avec ce Oui, virage donc, numéro 16. Voilà, donc Martin, il tombe le samedi après-midi, il a carrément fait le matin, il a carrément fait la pole en collant plus d'une demi-seconde à tout le monde. Donc il était au-dessus du lot à Mandalika, comme d'ailleurs ça avait été l'an dernier. Hein. Et l'an dernier, il était tombé aussi. Il était tombé, il était en tête du Grand Prix, il avait 3 secondes d'avance. Donc voilà, peut-être petit excès de confiance, comme il l'a dit. En tout cas, ça lui a servi de leçon parce que le lendemain, il n'a pas fait de faute. Il a parfaitement géré sa course en gardant peu de marge dans le TK pour attaquer un peu plus notamment dans la première partie du circuit où il était un ton au-dessus des autres. Et voilà, donc il fait même si au final il perd 3 points, enfin il y a 3 points de moins que quand sur Bagnaia qu'en arrivant, puisque Bagnaia a gagné le sprint et que lui est tombé. Mais on a quand même un très très bon week-end pour Jorge Martin. Martin. Ouais, Martin Bagnaia, à quoi jouent-ils tous les deux? Parce que c'est quand même maintenant difficile comment dire, d'isoler Martin par rapport à Bagnaia et Bagnaia par rapport à Martin, parce que les deux semblent faire des erreurs. Et même, je crois que c'est Bagnaia qui a dit finalement, ce championnat, ça va être un championnat de celui qui va faire le moins d'erreurs. C'est assez surréaliste parce que du coup, on va enchaîner un petit peu avec Bagnaia. Il est dominateur le samedi parce que effectivement, Martin chute. Donc là, il marque 12 points, il lui reprend 12 points. Et puis le dimanche, c'est moins évident, tu l'as dit, Martin a remis les choses en ligne. Et Bagnaia, il a eu du mal à rentrer dans ce Grand Prix. Je reviens à ce que tu as dit. Est-ce que c'est toujours aussi par rapport à cette explication sur les pneumatiques? Oui, je pense. Et puis surtout, il a raté son départ. Mais peut-être avant de passer à Bagnaia, restons 2 minutes sur Martin. Tu l'as dit, hein, il a toujours été plus fort. Enfin, en tout cas, il tire de son explosivité. C'est un gros avantage à la fois en qualif et en sprint. Malgré tout, c'est quand même un pilote qui est très régulier. Puisque si on se dit que c'est que sa troisième victoire le dimanche, puisqu'il n'avait plus gagné depuis le Grand Prix de France, donc c'est-à-dire au mois de mai, ça fait un moment, alors que Pecco, il a plus du double de victoires, je crois qu'il en a 7, hein, c'est 7 contre 3, le dimanche. Et malgré tout, il est loin de. Enfin, il a 23 points d'avance, je crois. 21, 21. 21, ouais, voilà, 21 points d'avance. Donc voilà, si on parle de régularité, quelque part, Martin reste plus régulier. Voilà, après, c'est vrai que c'est.
Comme ils l'ont expliqué tous les deux, c'est vraiment le niveau cette année, il est encore plus haut que l'an dernier. À leur duel, se sont quand même invités Bastianini et Marquez. Donc là aussi, c'est pareil, hein, ça fait augmenter le niveau général. Voilà, sur le fil, le nouveau mélange de pneus, le nouveau pneu Michelin arrière qui est plus performant, qui offre plus de grip. Aussi des problèmes pour certains pilotes qui ont du mal à s'y adapter, mais ceux qui ont trouvé la bonne recette, en l'occurrence les pilotes Ducati, voilà, ils vont plus vite, donc ils prennent forcément toujours un petit peu plus de risques pour faire la différence. Donc il y a le risque de chute est plus élevé. Mais voilà, Martin est le plus régulier et on se rapproche de la fin et il tient quand même que ça peut t'arriver, mais enfin, j'ai l'impression que mentalement, il est quand même beaucoup mieux qu'il était l'an dernier à pareille époque, quoi. Après, je reviens vers toi, Thomas, en espérant qu'effectivement, on n'ait plus de problème de son. Ce que dit Michel est vrai. Maintenant, d'un autre côté, c'est vrai qu'il est plus performant en course sprint, Martin. Donc, c'est aussi pour ça qu'il a accumulé pas mal de points. Par contre, je dirais qu'il fait moins d'erreurs sur les courses du dimanche, c'est-à-dire sur les Grands Prix, où là, il y a beaucoup plus de points à marquer, mais aussi à perdre quand on tombe. Et finalement, Bagnaia, il perd plus de points le dimanche qu'il n'en perd le samedi, en fait. C'est un peu ça aussi. Écoute Eric, quand tu regardes le classement et que tu regardes les résultats de Jorge Martin cette saison, il fait jamais moins bien que le podium, sauf le dimanche. Et effectivement, quand tu rajoutes le fait qu'il excelle au jeu du sprint le samedi, et bah ouais, ça fait des gros points et une régularité qui fait qu'aujourd'hui, il mène le championnat. Alors effectivement, pas beaucoup. C'est un week-end où on peut en distribuer 37, ça reste encore tout est faisable, mais il a une maturité qu'il n'avait peut-être un peu moins développée l'année passée, où il commettait des erreurs et où justement il préférait, il préférait gagner tout son, il faisait sa plus-value entre guillemets juste sur le sprint, quoi. Voilà. Ok, bah écoute, on va surveiller ça. Michel, je crois que tu voulais interagir parce que tu n'avais pas l'air trop d'accord avec ce que je disais. Écoute, moi j'ai eu Martine en interview ce week-end, donc j'ai eu l'occasion d'un peu discuter avec lui de manière un peu plus posée que ce qu'on peut faire sur des points presse ou en conférence de presse où on est tous à poser des questions. Donc en fait, ce qu'il lui m'a expliqué par rapport à ce qu'il avait changé en tant que pilote, en tant que personne, c'est qu'on le sait, depuis enfin, la fin de la saison dernière, il travaille avec un psy. Mental coach, comme ils appellent, ils n'aiment pas trop utiliser le mot psy, les pilotes. Je pense que c'est une maladie. Mais donc, en fait, il fait un gros travail sur lui et il le dit aujourd'hui, la grosse différence entre ce que je suis devenu et ce que j'étais, c'est que je suis plus obsédé par la victoire. L'an dernier, il fallait que je gagne, il fallait que je gagne, il fallait que je gagne. Aujourd'hui, j'ai compris que ce qui est important, c'est de progresser, de comprendre ce que j'ai pas fait bien pour le faire mieux et de me faire plaisir et de construire. Et de pas me dire que j'ai quelque chose que j'aurais dû que j'ai pas fait assez bien. Donc voilà, il est un peu dans cette démarche-là et visiblement ça fonctionne. Et d'ailleurs, il arrive, on sait que c'est un pilote hyper impulsif, hyper colérique, et on l'a vu ce qui s'est passé à Misano avec Bastianini, et il a su faire redescendre la pression tout de suite. Sa chute hier, pareil, une demi-heure après, voilà, il expliquait, enfin il essayait de l'expliquer, en tout cas il était calme. On sent qu'il a beaucoup mûri, comme disait Thomas. Donc c'est pour ça que c'est vrai que 21 points c'est pas beaucoup, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi mentalement il est quand même beaucoup plus solide, et on a l'impression que Pecco l'est un peu moins, même si pendant longtemps on a dit que c'était une machine de guerre Pecco. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus alors est-ce que c'est l'arrivée de Marquez, est-ce que c'est voilà, il rate ses départs, beaucoup ses départs, il a tendance à incriminer ses pneus dès qu'il n'est pas très performant, moins performant, on le sent moins serein, on va dire, Pourtant, un petit point de vue. ce week-end, il avait quand même l'air assez serein et assez sûr de lui, entre guillemets, parce que même si ce vendredi a été un petit peu compliqué, il est monté quand même en puissance. Et puis la victoire en sprint, même si entre guillemets elle lui a été offerte, ça le confortait un petit peu dans ce jeu de chasseur et de chassé. Tu penses que c'est sur ce côté psychologique, maintenant je vais revenir vers toi Thomas, sur ce côté psychologique que ce championnat va vraiment se jouer? Effectivement, à ce niveau-là, maintenant tout. Bon, avant de retrouver Thomas, visiblement, il y a eu un petit
petit souci, donc on va se retrouver vers Michel, le temps de laisser à Thomas la possibilité de rejoindre Michel dans son bocal. On vous fait tout ça un peu en direct là, je crois qu'il est installé. Thomas, t'es à côté de Michel? Ouais, ça y est, c'est bon, voilà. Alors Thomas, je disais avant qu'on ait ces petits soucis techniques, le côté psychologique, c'est peut-être ce qui va déterminer le nom du futur champion du monde pour toi sur cette saison 2024 entre Martin et Bagnaia? Pour moi, non. Je pense que ce sont deux pilotes qui ont justement un. Alors, je ne sais pas comment on pourrait utiliser quel mot on pourrait utiliser, mais qui ont pour moi le même niveau mental l'un et l'autre. Martin commet des erreurs comme Bagnaia en commet. Et parfois, Martin peut être dominateur comme parfois il ne l'est pas. Donc, c'est vraiment un échange de pouvoir là, entre les deux sur cette saison. La grosse différence par rapport à la saison passée, c'est que maintenant, Martin arrive en position de chasser et pas de chasseur comme il l'était l'année dernière. Et donc là, il peut se permettre de réfléchir un peu plus, chose qu'il ne pouvait pas faire l'année passée, où il était obligé de gagner pour essayer de rattraper Bagnaia. Ah, ouais. t'as pas l'air trop d'accord, Michel. Non, parce que Bagnaia, questionné sur cette question, Bagnaia disait, et Martin était d'accord, que c'est plus simple d'être deuxième que d'être premier dans ces cas-là. La pression est forte sur celui qui doit reprendre des points que sur celui qui doit gérer son avance. Voilà, c'était leur point de vue. Qui infirme les déclarations de notre doc. Ouais. Daniele Romagnoli, justement, m'a dit, le chef mécano, que justement, il était le chef mécano de Jorge Martin, m'a dit que c'était assez... C'est justement le contraire qui se passe. De toute façon, il y a des écoles qui... Ouais, et puis je pense que... En fonction de la situation, chacun adapte cette situation justement à son propre cas. Non, c'est aussi un petit peu quelque part rentrer dans le jeu du poker menteur, parce que il faut pas non plus trop avouer certaines choses ou laisser penser que, non, de toute façon, on le sait, c'est aussi de la psychologie et c'est de l'intox. Bien sûr. Après, ils sont pas dans les mêmes conditions non plus. Il y a un truc qu'il faut pas oublier. D'un côté, on l'a dit, Bagnaia, il doit forcément être en train de gamberger l'année prochaine avec l'arrivée de Marquez, parce qu'on voit très bien qu'il y a quand même une certaine passion de Dalinia pour Marquez. Ça, je pense que quelque part, ça va un peu l'inquiéter, voire l'agacer. Et d'autre côté, on a Martin qui, lui, va quitter Ducati, son équipe va quitter Ducati. C'est pas du tout la grande passion entre Martin et Domenicali, notamment. Encore une fois, dans l'entretien que j'ai fait avec lui, il disait que de toute façon, Ducati, l'an dernier, il avait l'impression de se battre plus contre Ducati que contre Bagnaia, parce que dès qu'il gagnait, il tirait tous la tronche là-bas. Donc voilà, ça c'est aussi son petit point faible, on va dire, c'est aussi ce soutien qu'il n'a pas de chez Ducati. Donc ils ont tous les deux dans des environnements différents, ils ont des écosystèmes qui sont pas les mêmes, avec qui les font gamberger dans des situations différentes. Donc c'est aussi ce qui est intéressant à suivre sur cette fin de saison. Et puis pour un petit mot sur la course, Eric, c'est que le sprint, alors des fois les pilotes roulent avec le soft pendant le soft à l'arrière pour le sprint et pour la course du dimanche. Il y a des circuits comme Mandalika où on va utiliser le soft pour le sprint qu'on ne pourra pas utiliser en course, et ça change aussi beaucoup de choses sur l'équilibre de la moto, sur la gestion des pneus. Et on l'a vu là, notamment Bagnaia qui a raté son départ, en plus qui lui rate ses départs en ce moment, et qui a eu du mal à faire chauffer son pneu, qui s'est retrouvé en galère, coincé derrière Bezzecchi et Morbidelli. Il a mis un moment pour les doubler, donc à partir de là, c'était la masse était dite. Et voilà. Alors justement, cette course, elle nous a aussi permis, eh bien, encore une fois, de s'apercevoir si on en doutait, ou si quelques-uns d'entre vous en doutaient, du talent de Pedro Acosta. Parce que après cette période où, comme on l'a déjà expliqué hein, dans des débriefs précédents, chez KTM, on s'était un petit peu trop vite jeté sur lui demandait beaucoup de choses, etc. Il est revenu à des choses un petit peu plus classiques. Et puis depuis deux Grands Prix, ça marche un peu mieux, même s'il n'avait pas pu concrétiser à Misano. Là, que ce soit aux essais, en sprint et pour le Grand Prix, je crois que Thomas, tu ne vas pas me contredire, mais je crois que c'est son deuxième podium en GP après Austin, si je ne dis pas de bêtises. On sent qu'il retrouve ses sensations et que ça va quand même beaucoup mieux si on le laisse un petit peu tranquille, encore au moins jusqu'à la fin de saison. Alors, Thomas, c'est le quatrième. Pardon, tu nous entends? Oui, vas-y.
C'est le quatrième podium de Pedro Acosta, donc il a déjà fait plusieurs podiums le dimanche. Mais je vais laisser la main à Michel, je pense que tu as plus beaucoup de et ouais, je crois que je me suis mal exprimé, c'est sa deuxième place, non, c'est ça, hein, c'est la deuxième fois qu'il termine sur la deuxième marche du podium, pardon, je me suis mal exprimé, ouais. Les gars sont meilleurs résultats. Il a expliqué sa performance par voilà, l'état de la piste. Il dit que la KTM, elle fonctionne plutôt mieux quand il n'y a pas de grippe. Enfin, en tout cas, les autres fonctionnent moins bien ou lui il sentira un peu mieux. Ce qui, normalement, est le cas de Marquez qui n'a pas été le cas ce week-end. Mais enfin, voilà, c'est comme ça qu'il a expliqué aussi sa performance. Bon, en tout cas, il montre qu'il est là, hein, parce que quand on jette un œil au championnat, bah, il est juste derrière Bastianini et Marquez, donc il est cinquième au championnat. C'est, malgré tout, ça reste quand même une superbe entrée en matière. Ça ne sera pas évidemment la super année comme l'avait fait Marquez lorsqu'il avait remporté le titre dès sa première année dans la catégorie Red, mais on peut quand même tout de même constater qu'il est encore une fois au-dessus du lot, parce que Binder, bon, on ne va pas parler de Miller, il est tombé tout de suite et il a emmené du monde, mais Binder, ils avaient encore du mal à le suivre, même ne serait-ce qu'aux essais. Bah, tu peux pas comparer avec Marquez en 2013, Eric. 2013, déjà Marquez, il récupère ce qui était la moto qui se battait pour le titre, même si en 2012, c'est Lorenzo qui est champion, Stoner, il gagne en 2011, il s'était battu aussi pour le titre, donc la Landa était performante, ce qui est pas... Enfin, la KTM... Je ne vais pas dire que c'est une mauvaise moto, mais en tout cas, elle n'est pas au niveau des Ducati, donc c'est quelque chose. Et en plus, aujourd'hui, le MotoGP est beaucoup plus compliqué qu'il était en 2013. Donc, enfin voilà, je pense que ça, c'est en termes de talent, on est proche d'un Marquez. Hein, on verra dans 10 ans où il en sera de son palmarès, mais c'est sûr que c'est le gros talent après Marquez là, qui arrive. Alors, on avait un Français qui s'appelait Fabio Quartararo. D'ailleurs, il s'appelle toujours Fabio Quartararo. Oui. Et il est toujours français. Malheureusement, lui. On va en parler justement de nos tricolores dans quelques instants, mais avant d'évoquer les cas de Fabio et de Johan, on va également s'attarder aussi sur Marquez et Bastianini. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, messieurs, en disant que avec les deux résultats blancs qu'ils ont enregistrés, casse moteur pour Marquez et chute pour Bastianini, même si mathématiquement il reste une infime chance, on peut considérer qu'ils n'auront plus leur mot à dire dans la course au titre, et que c'est en fait on va avoir une lutte à deux niveaux, c'est-à-dire le titre Bagnaia et Martin, et cette troisième marche du podium final entre Marquez et Bastianini, sachant qu'il n'y a plus que 3 points d'écart entre les deux. Et c'est cette lutte maintenant sur laquelle ils vont se focaliser. Oui, je pense que, enfin, après, je partage ton avis dans le sens où, effectivement, ça va être dur pour la course au titre entre Bastianini et Marquez, dans le sens où, en fait, on le disait tout à l'heure, Martin et Bagnaia sont quand même les plus réguliers. Ils marquent de très gros points à chaque week-end, même si, quand même, les erreurs, elles sont toujours là. Marquez a encore commis beaucoup d'erreurs ce week-end, c'est-à-dire qu'il est tombé deux fois pendant la Q2. Ça compromet à chaque fois ses chances de bien se qualifier. C'est la troisième fois de suite en Q2 qui tombe. Donc, il commet des erreurs qui lui coûtent très cher en course. Donc là, il a dû partir encore très loin, forcément faire une remontée. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué de marquer de gros points. Concernant Bastianini, c'est un peu la même chose. Dans une moindre mesure, il a mis du temps à accéder à la victoire cette saison. Il a dû attendre Silverstone. Après, il a doublé la mise la semaine dernière. Il y a la Misano. La semaine dernière à Misano, 2. Mais il lui manque encore cette régularité que les deux autres devant ont. Donc je pense qu'à la régulière, ça risque d'être compliqué pour les deux, Marquez et Bastianini, d'aller se battre pour le titre. Et puis il y a un peu ce fonctionnement un peu à l'identique, c'est ce que tu disais un peu Thomas, avec Marquez, il part 12e hein, sur la grille puisqu'il rate sa Q2, il fait un super départ en sprint, ce qui lui permet d'aller chercher le podium, et puis lors du Grand Prix c'est plus compliqué. Alors est-ce que c'est lié aussi à ce qui va se produire quelques tours plus tard avec cette moto qui va casser, est-ce que ça vient aussi un petit peu de ça, à savoir que il n'était pas dans le rythme, et est-ce que c'est finalement la casse moteur et la conséquence logique de ce début de course un peu, j'allais dire timide, c'est pas vraiment timide, mais peut-être un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre, Michel? Non, absolument pas. D'accord. La moto, la casse, elle arrive. Il s'y attend pas, toute la moto fonctionnait très bien, donc ça n'a rien à voir. La différence entre le samedi après-midi et le dimanche, c'est son départ. Il prend un départ incroyable. Il a surtout
Il est à l'intérieur, les autres s'écartent un peu, donc il dupe tout le monde à l'intérieur. Départ du Grand Prix, il est sur l'extérieur, donc là, il a emmené, lui. Enfin voilà, il n'arrive pas à regagner autant de places dans le premier tour. Et après, comme ça s'est passé pour Bagnaia, avec les autres, ils avaient tous des rythmes assez proches. Ce pneu arrière qui était un peu difficile à se mettre en régime. Voilà, ils se sont retrouvés à se bagarrer. Tous étaient à peu près pareils, donc difficile. Voilà, les déplacements étaient compliqués. Et puis, on a aussi des pilotes comme Bezzecchi et Morbidelli qui veulent se faire voir en cette fin de saison et qui prennent un peu plus de risques, qui vont aussi un peu plus vite que sur le début d'année. Donc, voilà, quand on est pas en mesure de s'échapper, c'est plus difficile. Et puis, alors, je voudrais avoir votre avis. Je ne sais pas si vous avez eu l'information dans le paddock, mais apparemment, la moto de Marquez, donc, qui a pris feu, elle a quand même été sérieusement endommagée. Et j'ai vu passer quelques rumeurs comme quoi elle serait vraiment très, très endommagée et que ça serait compliqué pour Marquez d'avoir une moto en bon état au Japon. Vous confirmez ou c'est des rumeurs, je dirais, faussement Je l'ai entendu alarmistes? tout à l'heure avec Andy Depinier, qui a partagé le salon avec moi justement à un moment, et effectivement lui il a entendu ça également. Alors c'est pas la moto en elle-même qui a été abîmée par la casse moteur, c'est apparemment les extincteurs qui auraient été utilisés Ah, pour d'accord. éteindre le début de feu. Donc voilà, c'est ce qu'il dit, pour l'instant c'est à confirmer, hein. C'est juste des bruits de couloir, mais apparemment ça aurait pas été les bons extincteurs utilisés pour arrêter le feu. Ouais, c'est surtout que les extincteurs ne fonctionnaient pas, que ça brûle, c'est la moto a eu le temps de brûler donc qu'ils arrivent à éteindre le feu. Mais c'est sûr que oui, cette moto est détruite. Donc bon, après, il y a suffisamment de pièces pour reconstruire une autre. Est-ce que il y a Bah, c'est aussi surtout le cas de figure parce qu'on se retrouve dans ces grands prix outre-mer et que, évidemment, si c'était arrivé entre Misano 1 et Misano 2, l'usine Ducati, elle est à 50 km du circuit, c'est plus facile. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est peut-être ça aussi, non? Après, ils ont 8 Ducati. Alors, il y a quand même pas mal de GP23, donc du spare, je pense qu'il va en avoir. Le moteur, à partir du moment où il est flingué, on ne peut pas le réparer. Les moteurs sont scellés. Bah Donc, oui. les moteurs, j'ai oublié le compte, je sais plus, 7, je pense. Ouais. C'est 7 7, par ouais. saison. 7 par saison. Donc, là, si le moteur est explosé, il est obligé d'en prendre un neuf. Il n'y a pas de moyen de l'ouvrir, de le réparer. C'est fini, quoi. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si le moteur en lui-même est bien cassé, si ce n'est pas la boîte de vitesse ou autre, on ne sait pas. Mais non, toujours est-il que ça, c'est irréparable, et donc c'est un nouveau moteur qui derrière doit être pris. On va passer à nos tricolores, si vous le voulez bien, messieurs, parce que bah, je dirais que finalement, ce Grand Prix d'Indonésie, il n'est pas si mauvais que ça pour nos deux pilotes. Alors, on va commencer par Johan, parce que bah, finalement, il nous fait une superbe performance. Alors, il rate de très peu la qualification en Q2 directement. Hein, il termine 11e, je crois que c'est 86 millièmes de mémoire, l'écart qu'il sépare de la 10e position. En Q2, en Q1, il se qualifie, il fait 7e temps de la Q2, il fait une très belle course sprint et puis un beau Grand Prix. Dans quel état d'esprit il était hier au soir quand vous l'avez quitté? Parce que sincèrement, on peut dire que jusqu'à présent, c'est l'un de ses plus beaux Grands Prix, si ce n'est le plus beau Grand Prix depuis le début de la saison, non? Oui, bah de loin, je crois. Vas-y, Non, bah écoute, oui, Johan était super content hier, clairement, une Q2, meilleur résultat en sprint d'une Honda cette saison, meilleur résultat en course d'une Honda cette saison. Lui qui justement disait à l'époque, il y a encore une semaine, je comptais les points que je pouvais avoir sur les doigts d'une main que je pouvais avoir le dimanche, et là j'ai réussi à marquer de gros points d'un coup. Donc voilà, il se. Ouais. Il avait mis 4 en 14 Grand Prix et il a C'est mis ça. 9 C'est ça. un seul week-end. Donc là, forcément, il est super content. Ça confirme aussi les progrès qui ont été faits. Alors, ce que disait Johan durant tout le week-end, c'est que la Honda progresse au freinage. Ce qui lui manque encore, c'est à l'accélération, la motricité en sortie de virage. C'est ça dont il souffre, en plus du turning. Le turning a été apparemment un peu résolu sur un nouveau carénage qui circule actuellement chez Honda. Par contre, le freinage, il arrive justement à compenser ses pertes qu'il a à l'accélération. Maintenant, il est curieux de voir ce que ça va donner à Motegi, qui est un circuit, on va dire, très gros, très stop and go, où justement, il voudrait bien voir si justement cette compensation qu'il peut avoir de la perte à l'accélération, qu'il récupère au freinage, si ça marche bien à Motegi sur un circuit qui pourrait lui réussir aussi, un peu comme celui-ci. Je pense. Qu'est-ce qui explique aussi.
J'aimerais bien avoir un petit peu votre avis. Qu'est-ce qui explique aussi cette, entre guillemets, domination de Johan par rapport au reste des autres pilotes Honda? Parce qu'on imagine bien qu'il y a du développement, qu'on peut éventuellement choisir des fois des pistes un petit peu différentes pour gagner du temps. Mais là, quand on commence à avoir un package qui fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Johan, il se détache aussi nettement, hein, on n'a pas peur de le dire, aussi nettement de Takagami et puis surtout de Mir et de Marini? Qu'est-ce qui fait cette différence? Qu'est-ce qui fait la force de Johan par rapport à ça? Alors, moi, je lui ai posé la question, très sincèrement, il me dit je ne sais pas et je préfère pas m'épancher sur le sujet. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que lui, contrairement à d'autres pilotes qui sont beaucoup plus jeunes et qui ne sont pas en fin de carrière, bon, à part Takagami qui, justement, lui, s'est écarté du MotoGP l'année prochaine, lui, il est en fin de carrière, il a de l'expérience, il sait que, de toute façon, ses années sont comptées en MotoGP, il espère prolonger jusqu'au moins 2027. Voilà, il n'a pas cette même pression qu'il pourra... que pourra avoir Marini et Mir aujourd'hui, tu vois. Donc c'est aussi ça, ça pourrait s'expliquer comme ça. Et d'ailleurs, il en parlait un peu, il parlait de ça au début de saison. Il disait qu'aujourd'hui, il n'a pas cette pression qu'il avait quand il était arrivé en MotoGP en 2016 chez Yamaha, avec l'obligation un peu de faire des résultats. Donc voilà, c'est un autre état d'esprit dans lequel Zarco est aujourd'hui, quoi. T'en penses quoi, toi, Michel? Moi, je pense qu'il est meilleur que les deux autres, déjà, et que son équipe travaille mieux que... Tu vois, c'est clair, Thomas, il faut dire les choses comme il suffit de les dire, hein. Johan, il a les crocs, quoi. Il suffit de les écouter les uns les autres après une séance d'essai ou après une course. Voilà, Johan, il en veut, quoi. Marini, il est dans l'analyse. Pina, il cherche des trucs qui n'existent pas. Et Mir, il a la tête au fond du seau. Donc voilà, et Nakagami. Donc voilà, c'est clairement le plus fort. Et je pense qu'effectivement, il a une équipe technique voilà, avec Christophe Bourguignon, avec David Garcia, il y a des gens qui bossent très bien autour d'eux. Et je pense que c'est plus simple de travailler aujourd'hui dans l'équipe LCR que dans l'équipe officielle. On dit encore Honda Repsol plus pour longtemps, mais on va dire Honda Repsol. Et par contre, il y a forcément une question qui me brûle les lèvres, c'est que le prochain Grand Prix, c'est au Japon. Est-ce qu'il y a déjà peut-être d'autres choses de programmées pour Motegi? Il y aura d'autres évolutions, vous pensez, ou justement, comme on a mis le point sur quelque chose qui fonctionne, comme tu viens de l'expliquer, Thomas, on va rester autour de ça et tâcher de le bonifier, ce nouveau package, ou est-ce qu'on s'attend à d'autres nouveautés du côté de Motegi? Je pense pas qu'il y ait de nouveautés, en tout cas, Johan n'en a pas parlé, mais clairement, comme je disais tout à l'heure, son but, c'est de confirmer ce qu'il a vu à Sepang, notamment au freinage, quoi. Donc, compenser le manque à l'accélération. À Sepang ou à Mandalika? Pardon, à Mandalika. Oui, pardon, d'accord, ok. Alors, on passe à Fabio maintenant. Alors, moi, je suis un peu embêté parce que Fabio, quand on l'entend, il a jamais l'air vraiment très satisfait. Et puis finalement, sur ce qui se passe sur la piste, bah, on a l'impression qu'il se passe le contraire. Parce que bon, certes, il termine 7e là, du Grand Prix. Pour un champion du monde, pour un garçon ambitieux comme il l'est, c'est pas satisfaisant. Mais malgré tout, il y a quand même des progrès. Donc j'ai l'impression qu'on est sur un discours à contre-temps entre ce que lui ressent et certainement de la frustration et finalement les résultats qui laissent à penser que bah, la machine est quand même en marche et chez Yamaha, on travaille aussi et on progresse, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Michel? Ouais, il y a des progrès, il le dit aussi, mais enfin, les progrès, c'est en fait, ils ont fait deux pas en arrière pour en faire un en avant, donc ils sont revenus à un moteur plus ancien, moins puissant, qui permet à Yamaha de retrouver ses qualités intrinsèques, à savoir une moto qui est assez agile et qui tourne bien, donc après, ils ont toujours un problème de grip à l'accélération, et du coup, aujourd'hui, ils se retrouvent de nouveau avec un manque de vitesse, donc... Après, alors c'est vrai qu'on parle du V4 qui va arriver, puisque c'est déjà annoncé. Mais enfin, bon, est-ce que le V4 va résoudre tout ça? Je ne suis pas certain. La Honda, elle a un V4 aussi dans les mêmes problèmes de grip à l'accélération. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui va solutionner le problème. Mais voilà, après Fabio, il n'est pas dans la même perspective que Johan. On l'a déjà dit, hein, ils ne sont pas au même niveau de leur carrière. Après, bon, maintenant, ce choix de Yamaha, c'est lui qui l'a fait. Oui. Personne ne l'a oublié, donc voilà, il faut qu'il fasse avec. Mais c'est vrai qu'il y a quand même du mieux. Là. Il y a des évolutions en châssis aussi. La moto, voilà, elle est un peu... Il se refait plaisir avec. Il arrive à faire des perfs en qualif. Et du coup, bah, mieux placé sur la grille, comme il ne part pas trop mal, lui, contrairement à Bagnaia.
Il fait des courses pas trop mal. Après, il a toujours du mal à doubler parce que voilà, maintenant avec une moto moins rapide, pour aller chercher le freinage, c'est compliqué, quoi. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi aussi, Michel. Hein. Fabio, il a re-signé pour 2 ans pour Yamaha. C'est comme Joan Mir hein, chez Honda, où tu dis Joan Mir, il a la tête au fond du seau, mais il a re-signé aussi en connaissance de cause pour 2 ans. Alors, en connaissance de cause, on peut aussi faire le rapprochement avec la hauteur du chèque qui a été fait. Mais voilà, mais Fabio, on a l'impression qu'effectivement, il est dans la frustration constante. Il n'est jamais vraiment satisfait. Pourtant, il y a quand même des signes positifs. Alors oui, ça va pas, on va pas, ils vont pas se retrouver à la hauteur des Ducati du jour au lendemain. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais enfin, je trouve qu'il y a un décalage entre ce qu'ils laissent passer comme message et finalement ce qu'on observe sur la piste. Voilà. Moi, je trouve que c'est des fois un petit peu sévère. Enfin, évidemment, on peut comprendre sa frustration, mais je trouve que c'est un discours un petit peu décalé, non? Enfin, voilà. Moi, c'était mon ressenti. Je sais pas, Thomas, t'es d'accord? T'es pas d'accord? Après, c'est normal, c'est son rôle aussi de pilote de dire que ça va pas assez vite quand il fait 7e pour la 3e fois d'affilée. Donc après, c'est sûr que c'est le meilleur résultat de Yamaha cette saison. Donc c'est sûr qu'on peut ressentir cette frustration. Mais comme disait Michel, la Yamaha, pardon, progresse dans le sens où ils sont en train de travailler en coulisses pour justement pour pouvoir préparer un moteur V4, pour pouvoir préparer des nouveaux carénages. Donc effectivement, ça prend du temps. On savait de toute façon que ça n'allait pas se faire du jour au lendemain, l'arrivée des nouvelles constructions, le fait qu'ils n'aient pas de pilote d'essai qui tourne derrière aussi régulièrement, parce que Caprocho était blessé et il sera d'ailleurs pas là ce week-end à Motegi alors qu'il était prévu d'y être. Donc c'est forcément, ça prend du temps. Voilà. Cette frustration, on peut la comprendre, même si derrière, on a quand même aussi le talent de Fabio qui gomme aussi un peu toutes ces lacunes. Parce qu'on voit que Rins, en diminué par sa jambe, c'est peut-être aussi, comme tu le dis, c'est peut-être aussi ça, comme tu le dis, Thomas, c'est ce qui fait peut-être là aussi la différence entre Fabio et Mir, c'est qu'il y en a un qui a du talent et finalement, Mir, il est peut-être un petit peu plus limité aussi, alors même si on est chez Yamaha et chez Honda d'un autre côté. Tiens, à propos de pilote d'essai, vous me confirmez l'info, apparemment Rémi Garner serait à Motegi en wildcard, c'est ça? Bah, c'est ça, il va remplacer comme il avait déjà fait. Il joue un peu le rôle de remplaçant chez Yamaha. Donc, il avait remplacé Alex Rins, il avait remplacé Crutchlow. Alors, je ne sais plus à quel Grand Prix, c'était à Silverstone ou un autre Grand Prix. Voilà, oui, il sera là ce week-end. Eric, il faut que je file, moi. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, Michel. J'allais te dire, on va te libérer parce que tu as ton avion dans quelques minutes maintenant. Non, mais Thomas, il se reconnecte et vous pouvez finir avec lui. On n'a pas dans le même vol. Il a un vol plus tard. Non, mais on va en terminer là parce qu'on avait fait quasiment le tour de ce qu'on voulait dire. Simplement, la dernière info, c'est Guidotti, comme tu nous l'avais dit, Michel, qui est donc remercié chez KTM et qui va être remplacé par Aki Ajo, hein, c'est ça? On sera sous alors. Non, mais très vite, Michel, c'était oui, non, et puis voilà, c'est tout. Hein. Oui, mais effectivement, c'est officiel depuis aujourd'hui. Donc voilà, ils ont un Finlandais avec les Autrichiens, je pense que ça... C'est un peu l'ambiance qu'ils recherchent aujourd'hui, s'ils ont écarté tous les Italiens. Donc, ils remettent un peu le point d'équilibre un peu au nord de l'Europe. D'accord, ok. Bon, on ne vous embête pas plus longtemps, messieurs. Filez, ne ratez surtout pas votre avion pour le Grand Prix du Japon. Et on se retrouve, on l'a dit, hein, ça sera mardi le débrief de Talkback GP la semaine prochaine. Ça sera mardi parce que lundi, vous serez dans l'avion justement pour rentrer et on sera un petit peu trop juste au niveau timing. Donc, merci de votre disponibilité. Désolé pour les petits couacs, mais l'essentiel, c'est qu'on ait pu en échanger et prendre les informations principales. Allez, filez, prenez votre avion. Quant à nous, on ne va pas se quitter tout de suite parce que je voulais juste faire un petit clin d'œil à deux pilotes qui ont brillé ce week-end pour des raisons différentes. C'est Andrea Iannone dans un premier temps qui a remporté la première manche du Superbike à Aragon. Andrea Iannone, hein, qui a été suspendu pendant 4 ans. Adrian va vous mettre son petit portrait. Il était très ému sur le podium, Andrea Iannone. Donc, il avait passé 2967 jours hors
de la première marche du podium. C'était sa dernière victoire, c'était en Grand Prix. Donc on va saluer cette victoire. Et puis l'autre clin d'œil et l'autre pilote qu'il faut aussi saluer, c'est Kenny Forêt, qui est devenu champion de France Superbike ce week-end au Castellet pour la 4e fois. Et c'est le premier pilote dans l'histoire du championnat de France Superbike à réaliser cet exploit. Donc voilà, on voulait, avant de se quitter, eh bien saluer et le pilote italien et Kenny Forêt, donc 4 fois champion de France Superbike. Voilà, on a fait le tour de ce Grand Prix d'Indonésie, donc disputé à Mandalika. Je vous rappelle que vous n'hésitez pas à commenter sur le fil des commentaires, bien évidemment. Il y aura un tirage au sort et vous pourrez repartir avec le tracé grâce à notre partenaire Longlap. Voilà, on se quitte. Bonne soirée et on se retrouve, notez bien ce rendez-vous, mardi prochain à 18h pour débriefer le Grand Prix du Japon. Bonne soirée.